Vous savez quoi? Je pense que ce sera une vente aux enchères qui sera faite le temps d'un instant, à la fin du The Event. Ouais, mais du coup, il y a peut-être des gens qui seront en mode « Ouais, mais moi, j'ai plus rien, j'ai déjà donné. Enfin, » Après, c'est pas grave. Le temps d'un instant, tu vois, tu fais 10 minutes, les enchères vont durer 10 minutes, et pendant 10 minutes, bah, c'est la personne qui donne le plus. Ah, oh, je sais pas. Chaud. C'est tout, c'est faisable, tu peux tout mettre sur un, dans un CSV. Ah, c'est faisable, Étoile, tu penses, ouais? Mais c'est chiant à faire. Oui, par contre, ça doit être l'angoisse. Illégal, surtout, je crois, c'est de la loterie. Ouais, mais non, parce que c'est de la... Parce que c'est de la donation. À but non lucratif, tu vois. C'est pas des ventes aux enchères pour du... C'est pas pareil. Je sais pas, putain. Oh, compliqué. Trop de problèmes, on oublie. Ouais, mais c'est pas mal. Offrir une fleur, c'est éclaté. On parle du Z-Event. Vaut mieux que des streamers dessinent des fleurs sur un tableau. Tu mets aux enchères, tu l'envoies à la personne qui a fait le plus gros don. C'est mieux pour l'assaut et tout. Bah, c'est ça, en fait. Le but, c'est quand même pousser au don aussi, quoi. Tu le mets dans un tableur Excel, tu regardes le nombre d'entrées, tu sélectionnes en prenant un chiffre au hasard de 1 jusqu'au nombre des gens qu'il y a. Oh, mais il y a des gens qui donnent plusieurs fois. What? Ah, c'est compliqué. Je crois que c'est compliqué. Hein. Oh, c'est chaud. Le meilleur donateur, c'est pas plus simple? Si, je pense, Justin. Je pense que c'est plus simple de mettre juste le meilleur donateur, je pense que c'est le mieux. Le meilleur donateur à la fin du The Event, et voilà. GG Jota. Je sais pas si c'était Jota l'an dernier, parce que certes, il a donné 5000 balles, mais l'an dernier, il y avait des gens vraiment qui donnaient 100, 500, 1000, 100, c'est-à-dire qui donnaient plusieurs fois plusieurs trucs, tu vois. GG Jota, pas sûr. Hein. Ah, j'ai une réponse de Théo Clément, messieurs, dames, concernant le préparer un jeu pour une fin de popcorn. Réponse de Théo Clément. Je suis chaud, t'inquiète, on ferait un truc bien. Par contre, tu présenteras ça en costume fleur. Let's go. Let's go, je suis chaud. Let's go. Je suis chaud. Je suis bouillant. C'est parti. Chaud. Parfait. C'est très très bien. Fais-leur à mettre des fleurs, je t'en supplie. Ça peut être drôle, hein. On verra. On n'y est pas. Bon, je sais pas trop quoi faire pour le fil rouge. Offrir une fleur, en fait, ça permet l'interaction. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément aller offrir des fleurs aux gens avec qui je passe déjà beaucoup de temps. Le but, ce sera justement aller offrir une fleur à quelqu'un que peut-être je connais un peu moins ou autre, et c'est ça qui peut être sympa, tu vois. C'est une petite attention qui peut être cool. Dessiner une fleur, faire gagner le tableau, putain. Après, c'est sûr, c'est pas pratique, hein, dans le sens où je dois ramener plein de fleurs, c'est chaud, hein. Tu fais les deux, tu te demandes un dessin et en même temps, tu offres une fleur. Ah ouais. Chaud. Tu mets le tableau en vente aux enchères sur le site du The Event, le même que celui des t-shirts, et que Zerator lance la cagnotte pendant 15 minutes le dimanche et donc directement dans la cagnotte générale. Ouais, c'est pas si simple. C'est pas si simple, Zera il est en train de gérer plein de trucs pendant l'event. En plus de streamer bien sûr, genre arriver et dire mec tu peux faire une vente aux enchères, je crois que c'est pas aussi simple que ça. Hein. Offrir des fleurs, ça montre que nous, viewers, on veut pas juste donner des sous pour obtenir un truc de ponce, mais aussi pour remercier les organisateurs d'un super event et pour l'assaut. Bah ouais, en vrai, ça donne juste des messages sympas. Message d'étoile, j'ai pas vu qu'il y ait... Genre, la fleur, c'est une invitation à venir peindre sur ton tableau. Ouais, mais juste, il faut que je réfléchisse à comment faire gagner le tableau à la fin, quoi. Top donateur, ça, je crois que c'est regardable tranquillement sur le site de Streamlabs. Ça, y a aucun souci. Non mais vous savez quoi? Ce quelqu'un est invité à venir dessiner une fleur sur un tableau. Le top donateur du week-end gagne ce tableau. Voilà. Point barre. Je pense que c'est win avec ça. Merde, j'ai fait quoi? Pardon. Voilà. Ouais, tableau.
Je pense que c'est bien. Le top donateur du week-end, le top donateur du week-end, top de, mon live. Top donateur. Top donateur de mon live. Je précise. Pas le top donateur overall du The Event, parce que là, c'est compliqué. Voilà. Ok. Jurponce Shiny Hunter. Bah, Exa, j'ai pas trop le choix, mec. Hein. Je dois prendre ma revanche. Hein. Je dois prendre ma revanche. Le Ponyta Shiny, tu vas vraiment t'imposer ça. Ouais, 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 carrément. Ouais, et tu sais quoi, j'ai même hâte. Et sans déconner, hein. À chaque fois que j'ai fait du Shiny Hunting, je me suis régalé. Parce que aussi, j'en ai pas fait beaucoup, je pensais pour ça. Mais ouais, ouais, de ouf. De ouf. Je profiterai pour faire ça un peu sympa. Un truc un peu sympa, quoi, je pense. Peut-être faire venir aussi Ken le temps d'un instant pour discuter, Xakil aussi, tous les Shiny Hunter, venir un peu discuter, tout ça, ça peut être trop cool, tu vois. Genre faire la classique, hein, le podcast déguisé Shiny Hunting, hein. Bien sûr. Ouais. J'ai pas suivi, y a pas Fortnite en goal, le ponce. Non, parce qu'on le fera quoi qu'il arrive de mon côté, donc je préfère mettre d'autres choses, quoi, ouais. Pas ouf que ça soit le top donateur, c'est pas trop dans l'idée que chaque euro compte. Ah mais après, c'est... Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut... On a pas trop de choix, quoi. Il y a un moment... Comment choisir ? Pourrait-on pas préparer du merch tout simplement avec la création des streamers floqués dans l'idée ? Les profits pour l'assaut. Peut-être trop cher à mettre en place. C'est surtout trop tard. La boutique, faut oublier. La boutique, faut oublier pour les ventes, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a la boutique du The Event avec les t-shirts, etc. Sinon, il n'y a pas de délire de boutique. Je pense qu'il faut le faire gagner au hasard parmi tous les donateurs. Faire gagner au top donateur, ça exclut beaucoup de monde. Si tout le monde peut le gagner, ça va inciter les gens, même ceux qui ont des budgets très serrés à donner. Ben... Est-ce que, Étoile, tu me certifies que c'est faisable, même si c'est chiant ? Parce que bon, si c'est faisable, mais juste que c'est chiant, bon bah, ça se tente, tu vois. Mais il faut que ce soit faisable, sinon, c'est trop, trop, trop chiant, mec. Ah. Ah, mais c'est chaud, hein. Est-ce que des gens donneront en double ? Ah bah ouais, de ouf, il y a des gens, ils donnent je sais pas combien dans le week-end. L'enfer, comment faire gagner ça? Je sais pas quoi faire. Oh, je sais pas quoi faire. Juste demande à Dash, je pense. Écoutez, on note ça. Regardez, je mets ça entre parenthèses. Je le ferai de mon côté, je vais me renseigner de mon côté, savoir si et comment c'est faisable, ok? J'offre quoi qu'il arrive une fleur à quelqu'un à chaque palier de 5000. Derrière, on verra pour ça. Je pense que de toute façon, je vais pas prendre ma décision maintenant vu que j'ai pas tous les tenants aboutissants. Je prends le temps de me renseigner et on verra. Voilà. Il me semble que Zera nous avait mis en garde sur les concours payants pour les 20. Oui, ça m'étonne pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. On verra. Qu'est-ce qu'il dit, Étoile ? Je pense que ça se fait tranquille avec un CSV. On peut exclure les doublons, on va voir. Ouais, mais Étoile, le but, c'est pas non plus que... Tu... enfin, je veux dire, t'as terminé ton école d'ingé. C'est pas non plus pour passer ta semaine à travailler sur de l'ingé, quoi. Tranquille, on verra, mec. On verra. Je mets ça entre parenthèses, on va réfléchir à tout ça. Et tranquille. On verra ça. Bon, pour n'oublie pas de te renseigner sur la personne quand tu offres les fleurs pour les personnes qui pourraient faire des allergies. Ouais, carrément, je ferai pas, t'inquiète, je me renseignerai sur les allergies, y a pas de problème. T'inquiète, je ferai gaffe. Bon, revenons à nos moutons. Tournoi du dimanche d'event avec volant, capturer un Ponyta Shiny. Est-ce que je peux mettre des trucs en italique ? Je crois que ça met tout en italique si je fais ça. C'est ça. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Moi, j'adore évidemment ce logiciel, mais là, c'est à chier. Ok. Préparer un...
Un jeu pour une fin de popcorn, speedrun, Breath of the Wild, 10% objectif, sub 1. Qu'est-ce qui manque? Tu es une très jolie fleur. Colosseum dans l'oubli. Bah non, il est là. Hein. Je finis Pokémon Colosseum, c'est là. Hein. Le live rap. Live rap spécial avec le règlement. Je lui envoie quand même un message. Et étoile. Mais ça, en fait, j'enlève et étoile. Non pas que étoile sera pas là, si jamais ça se fait. Mais plutôt parce que le but, ce sera faire un truc cool dans l'idée avec le règlement. Et puis on voit ensuite ce qu'on peut faire. C'est-à-dire étoile, DFG, des rappeurs, j'en sais rien. Des trucs comme ça. Ok. Évidemment qu'il y aura étoile s'il y a un truc comme ça. En fait, c'est ça le truc. J'envoie juste un message au règlement, une seconde. Yo bro, t'es chaud pour C'est bon, c'est envoyé. Ah! Oh, j'ai reçu un message. Yo bro, t'es chaud pour une émission rap. On verra. On verra ce qui se passe. Mariage avec Rivenzy. Non, mais tout ce qui est mariage et tout, ça me chauffe pas. Ça me chauffe pas. Anecdote de la voiture perdue. Alors, l'anecdote de la voiture perdue, c'est une anecdote que je ne peux pas raconter pour des raisons légales, en fait. Et du coup, c'est même pas une histoire de je veux pas ou je vous raconterai ça un jour ou quoi. C'est genre, là, j'attends la prescription en fait. Là, je ne peux pas vous raconter ça sous peine de raconter des choses tout à fait illégales et dangereuses, bien sûr. Voilà. Donc non. Je peux pas encore vous raconter, effectivement. Vous verrez. Pétanque avec d'autres streamers. Alors, Pétanque, c'était l'an dernier. Ça a été atteint. Et c'est en cours. Si tout se passe bien, ça aura lieu avant 2022, d'ailleurs. Voilà. Si tout se passe bien. Tu sais quand tu pourras la raconter, d'ailleurs ? Je pense 2025, c'est bon. Voilà. C'est pas de suite, hein. C'est pas de suite, hein. Ouais. Dans 3 ans ? Non, oh, je me renseignerai, mais à peu près ça, je crois. T'as tué un type ou quoi? Bah non, sinon ça aurait été 25 ans. Attends. Prescription crime? 20 ans. Ah voilà, tu vois, ça aurait été 20 ans. Hein. Non. C'est 20 ans, je crois. J'aurais dit 25-30, j'avoue. Toi, c'est un délit. Oh, moi, c'est rien de spécial. C'est rien de spécial. Moi, c'est du sport. C'est du sport avant toute chose. Beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de choses. T'as tué quelqu'un il y a 17 ans, l'angoisse. Bon, bah écoutez, non, mais en vrai, live IRL avec déguisement fleur, en vrai, j'enlève parce que bon, c'est un live IRL dans l'idée. Composer une musique rock de type. Alors, ça a pas hypé tout le monde, mais ça a hypé quelques personnes. En même temps, c'est de niche, hein. Du rock de stoner, là. C'est un peu de niche, pas vous mentir. On se fichait S, non. Attendez, je vais mettre ça. Hop, je mets ça. Je mets ça, ça j'efface, 100%, c'est bon. Live Cuisine, ça a été mis. Capturer Ponyta Shiny, ça a été mis. Et on avance, hein. Participer à une cartonnade, bon. Je sais pas si c'est le plus sympa. Live court, il a dit. Bah quoi?
Ça va, ça fait 3 heures qu'on est en live. Ça va, ça va, ça va, ça va. Live botanique en vrai chaud. Ah mais live botanique, moi j'avoue je sais pas trop où aller, quoi faire, etc, etc. Tu as pas mis le live rap. Ah merde. Oh exact. C'est un gros truc quand même hein. Je le mets là. Ok. Live bota, j'avoue c'est stylé en vrai. Ça vous plaît le live botanique? On trouvera un endroit qui acceptera de nous accueillir et là où on pourra filmer. Et puis on peut voir des trucs, quoi. Rien à foutre. Il y a plus de oui qu'autre chose, quand même. Le rien à foutre, meuf fumée. Rien à foutre, frère, de ton live botanique, vraiment. Osef, en vrai. Meuf fumée. À Terra Botanica à Angers. Terra Botanica. Le parc du végétal. Ah, genre, c'est un... Ah, c'est intéressant, ça. Mais non. Petite coque de noix, là, au calme. Petite balade en coque de noix, là. Oh, si, ça... oh, si, 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 le live sera dingue. Oh, le live va être exceptionnel, la balade en coque de noix. Oh, il faut absolument que ça arrive. Oh, j'irai là-bas. Terra Botanica. Oh, la journée de dingue. Oh, oh oui. Oh, le petit bateau, la petite rivière. C'est pas fou pour l'avoir fait. Ah, t'inquiète. Oh, t'inquiète. Tu le ferais solo? Non, non, non. Non, non, avec Rive et Ultia, je pense. Enfin, un truc comme ça, ouais, j'imagine. Oh, ça se fait pas seul, ça se partage. Ça se partage, ça. Petit live dégustation de pastis avec Alain. Non, j'ai pas envie de faire des trucs autour de l'alcool, parce que bon, c'est... Déjà qu'on souffre des binges pendant le FC Silmi, bon, le but, c'est pas de dire aux gens « Vive l'alcool! Go boire !» Le retour de Prof Ponce. Ben... Ouais. Le retour de Ponce Prof, c'est un truc qui prend tellement de temps à préparer et... Ah, je sais pas. MDR, il nous fait un cours de maths. Non, c'est pas ça, mais c'est un format que je faisais... que j'ai fait très peu de temps, hein, mais j'ai fait ça pendant quelques mois sur le stream en 2019, c'était. Et en gros, juste... c'était... comment expliquer ça? On parlait d'ordre de grandeur, on donnait des petites informations comme ça, ou des petits facts que tu peux ressortir, assez fun. C'était ça, quoi. Mais je sais pas trop... Prof Ponce dans Popcorn. Oh, j'avoue! Ouais, mais ça concerne encore Popcorn. On a déjà un truc sur Popcorn en vrai. On a déjà un truc sur Popcorn. Je sais pas. Au pitié, le stream cours de maths. Alors, non, c'est sûr et certain que je ferai pas de live cours de maths. Je trouve que c'est plutôt une très mauvaise idée de faire des live cours de maths dans le sens où les mathématiques, c'est une matière où tu développes ton savoir en fonction de ce que tu sais déjà. Et il est très difficile d'aborder une nouvelle notion tant que t'as pas validé tes acquis. Et donc du coup, faire un live cours de maths, c'est aussi mettre des gens dans l'incompréhension, c'est aussi ce genre de choses. Donc non, je ne ferai pas de live de cours de maths, c'est sûr. C'est sûr et certain. Trop compliqué, c'est pas possible. Les niveaux seraient trop disparates et donc ça créerait beaucoup trop de confusion, quoi. Ouais. Je t'aime bien, Pompon, mais fuck les maths. Je sais pas. Trop ennuyeux aussi. Non, mais tu dis trop ennuyeux parce que tu penses à des cours de maths, à tes cours de maths au collège ou au lycée, mais tu peux faire des trucs didactiques hyper intéressants et hyper ludiques, hein. Vraiment, pour le coup. Je te parle pas de cours de maths, mais tu peux faire des choses assez sympas, quand même. Clean walk dans les calanques de Marseille. On va tomber sur un cadavre, ça va être horrible. Mais c'est pas une idée qui est dégueulasse, en vrai.
C'est pas une idée. C'est pas une idée qui est mauvaise, ouais. Les probabilités, c'est juste exceptionnel. Hein. T'es mal les clichés. Ah, c'est une vanne! Clean Walk dans les calanques de Marseille, c'est une idée qui est pas dégueu en vrai. Hein. C'est une idée qui est pas dégueu. Je note ça là. Après, il y a peut-être juste trop de trucs. Hein. On peut peut-être juste faire ça aussi. Hein. À un moment donné, il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Il y a plusieurs streamers qui ont un goal clean walk. Ah ouais? Bah je sais qu'ils avaient fait ça à Montpellier. Avec Zera, Kenny et tout. Ils en avaient déjà fait une à Montpell. Enfin, à côté de Montpell. J'ai zappé la botanique, ouais. Franchement, je trouve qu'on est sur un truc pas immonde, là. Début de la Pense Radio, cosplay. Donc du coup, j'attaque le live en cosplay, bien sûr. Fin de la radio. Tournoi du dimanche Z-Event avec volant à 25 000. Donc du coup, ça aura lieu le dimanche. Ça, c'est pendant Z-Event. Capturer un Ponyta Shiny à 35 000. Donc ça, c'est un objectif pour plus tard sur Diamant Perle. Live cuisine avec Ultia, plus tard aussi, 51 000. Préparer un jeu pour une fin de popcorn. Ce sera pour un popcorn à 75 000. Speedrun Breath of the Wild 10%, c'est aussi plus tard. Pour 100 000. 125 000. Composer une musique rock stoner avec clip. Alors ça, c'est un truc qui va prendre un temps de fou. Je sais pas pourquoi je l'ai mis entre guillemets si bas, même si c'est énorme. Retour de Fab pour une soirée avec Miguel. Live rap avec Le Règlement. Mont Ventoux à vélo avec PA. Live musique avec Public et Tip Stevens. Live parapente. Je finis Colosseum à 2 millions. Je retourne chez SFR à 5 millions. Et au milieu de tout ça, tous les 5 000, j'offre une fleur à quelqu'un. Sur place, évidemment. Ça fait beaucoup de trucs pour plus tard. Ouais. Ouais, mais encore une fois, sur place... Alors, j'ai fait qu'un seul The Event, donc j'ai pas non plus une expérience de fou, mais... L'an dernier, j'ai capté que sur place, tu n'as pas le temps de faire tes trucs. Parce qu'en fait, t'es appelé à droite, à gauche pour faire ci, ça, machin, il y a un quiz là-bas, il y a un pote qui t'appelle pour jouer à ça, là, t'es en train de faire ça, t'es en train de discuter, boum, il y a une donation à 5000, what the fuck, tu sais, tu cours partout, en fait. Et genre... Un peu ça, quoi. Il n'y a pas de riff dans les donation goals. Vous voulez que je mette ça? Live cuisine avec Ultia et Riff? Ah mais dans ce cas-là, il faut demander à Ultia, parce que c'est Ultia qui fait les live cuisine. Vous savez quoi? Je vais inverser live musique avec Public et Tip Stevens et Mont Ventoux à vélo avec PA. Je vais inverser ça. Je vais faire ça. Live musique avec Public, mais en fait j'hésite à mettre ça. Parce que en fait, Public, en gros, c'est un concert en live, quoi. C'est chaud. C'est très chaud. C'est très très chaud. Tip a déjà fait des concerts en live. C'est pour ça. C'est le truc qui me rassure le plus, c'est que Tip Stevens a déjà fait ça, il sait le faire. Voilà. Public virtuel avec les cams au pire. Non. Non, idée non. Tip l'a déjà fait, en fait c'est ça. Cringe concert public aussi, non. Non. Il faut arrêter de penser que tout est cringe, hein. C'est pas parce que c'est des choses qui vous dépassent ou des choses que vous kiffez pas spécialement que c'est cringe, hein. Stop, please. Un concert avec un public, je vois pas en quoi le public est cringe. C'est juste des gens qui sont en train de kiffer le son, quoi. C'est tout, hein. Je vois pas ce qui est cringe, hein. OMG, trop cringe, des gens qui écoutent de la musique en direct, quoi. Trop chelou, quoi. Live parapente avec Rive et Ultien. Ouais, mais il y a déjà Rive et Ultien dans le live cuisine. Oh, la prise d'otage. Non, mais sous réserve. Sous réserve.
Ouais. Ouais. Un petit live par importe avec Rive et Ultia sans leur demander, tu vois. Non, mais surtout que ça demande de la prépa et tout, je sais pas s'ils seraient chauds. Hein. Je sais pas trop. Hein. Ils vont pas faire les difficiles. Moi. Ouais. Bon. Non mais il y a beaucoup de choses. Hein. Attendez, je remate quand même l'an dernier. Je prends l'an dernier en exemple, où l'an dernier, clairement, j'ai remarqué que j'avais pas trop le temps pendant pour faire des trucs. Et que quand tu prévois des choses derrière, il faut les assumer. C'est-à-dire que, bon, ça a été assumé à moitié, j'ai pas fini, mais j'en ai quand même fait des jingles, mais j'en veux plein d'autres, mais voilà, ce sera fait. Enfin, je fais petit à petit, quoi. Le live pétanque aura lieu normalement avant 2022. Ça, c'est l'an dernier. Hein. La cover de Jaune avec Antoine à l'instru, j'avais complètement oublié. Vraiment, j'aimerais bien faire un live chez Antoine où on compose, et puis ensuite, ça sortira évidemment sur YouTube, cette cover. Le tatouage fleur, c'est en cours aussi, je serai tatoué, pareil, avant 2022, normalement. Ponce le week-end, bah ça dépend ce qui se passe, il faut qu'il se passe des choses, et je sais pas encore comment et où, ni où faire ça. Et Mario Kart Cup IRL, c'est compliqué. C'était à deux doigts d'avoir lieu, mais finalement non. Du coup, c'est compliqué là, dans l'état actuel des choses. Du coup, faut pas que ça me rajoute encore des trucs impossibles. J'avoue. PA, c'est Mont Ventoux ou défi humain, donc il va peut-être pas le faire. Mais où aussi? Oui, c'est vrai que c'est ça. Oui, c'est vrai. Ne pas mettre le Tour de France du jeu vidéo. Bah, en fait, le Tour de France du jeu vidéo, c'est vrai qu'on l'avait mis l'an dernier. On l'avait mis l'an dernier parce que beaucoup de gens en parlaient. Mais la réalité, c'est qu'on a déjà fait un beau tour. Bon, tu me diras, le paysage du jeu vidéo en France a peut-être un peu changé. Quoique. Quoique, il y a. Ouais. Des petits Digixart à aller voir. Attendez, juste le Mont Ventoux. Ah non, c'est pas de où là. Oui, c'est Mont Ventoux. Hein. C'est le 4L Trophy qui est en où. Le Mont Ventoux, il est là. Hein. Le Mont Ventoux, il est là. Hein. Donc, il est Validax. Hein. Mont Ventoux ou parapente, sachant que le Mont Ventoux, c'est très chaud à vélo. En fait, le truc, c'est que le Mont Ventoux, c'est chaud à vélo, mais la parapente, c'est chaud en live. Tu vois? C'est ça le truc. Donc, un live à Berlin comme Avignon. Et comme j'ai déjà expliqué, c'est pas possible. Berlin, c'est une ville qui est gigantesque, quasiment 10 fois Paris. C'est impossible de faire un live comme Avignon. Avignon, on faisait tout à pied. Berlin, tu dois prendre le métro, t'es obligé en fait. Donc, prendre le métro en live, pas possible. Voilà. Ça le truc. Moi, je pense qu'on est pas mal. En vrai, moi, je pense qu'on est pas mal. Je pense que je vais. Hop. Ouverture. Only. Fan. Des fleurs. Pour de l'associatif. Je pense que là, on est bien. Ah, le OnlyFan était là l'an dernier. Il faut le remettre. Il était à combien l'an dernier? Il était à 500 000. Ah, j'ai un peu abusé. Là, on est passé à 5 millions. Bon. Voilà. Donc c'est top. C'est super. C'est parfait, ouais. Complètement. Ouais. 10 millions, je garde les thunes et je déménage à Malte. Le Mont Ventoux risque de finir en Donation Goal Marathon, tu ne te rends pas compte de la difficulté, je pense. Ben... Après, c'est de la prépa, ouais. Enfin, ça c'est sûr, hein. Merde, qu'est-ce que je fais? Mont Ventoux à vélo. À savoir que le Mont Ventoux à vélo, j'ai déjà fait des bouts de Mont Ventoux à vélo quand j'étais plus jeune, etc. Après, j'ai jamais fait l'ascension en elle-même, tu vois. Voilà, c'est ça. Il y a trois routes qui partent de trois villages. Parce que je vous rappelle que je suis quand même né je suis quand même né dans le pays du Mont Ventoux. Et que j'en ai monté des côtes à vélo quand j'étais plus jeune. Hein, avec le papa qui courait à côté. Et là, regardez-moi ça. C'est pas incroyable, un paysage lunaire en plein milieu de la Provence, messieurs-dames. Et là,
Véritable mythe pour tout cycliste passionné, le Ventoux à vélo est aussi vénéré que redouté. Amateurs ou professionnels, les cyclistes se massent chaque année pour affronter le géant de Provence. Une ascension extrêmement exigeante qu'il ne faut jamais sous-estimer. Climat, matériel, préparation, circuit, nous apporterons ici les armes indispensables pour affronter sereinement le sommet légendaire. Ouais, mais je serais trop fier de faire... En fait, vous vous rendez pas compte que vraiment, le Mont Ventoux, c'est tout dans ma vie. Encore une fois, quand j'étais petit, moi, je voulais être pompier du Mont Ventoux, jardinier du Mont Ventoux. J'ai voulu tout faire au Mont Ventoux. Tout, tant que c'était au Mont Ventoux. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Je serais trop fier de faire la montée du Mont Ventoux à vélo, genre, sans déconner. Ce serait ma fierté de vie, enfin, ce serait un truc de fou. Une histoire de shonen. Bah ouais, franchement... Au pire, tu fais la descente plutôt que la montée. Ah, j'avoue, hein. Au pire, on descend. En vrai, c'est moins difficile que de faire un marathon. Ouais, je pense aussi. Je débarque, mais c'est les goals, c'est que pour les donations sur ton live. Oui, bien sûr. Vélo électrique aise. Je l'ai fait pas mal le Mont Ventoux, je vais retourner le faire demain si tu veux des conseils de prépa. Putain, il y a des gens trop chauds. Mais tu vois, j'ai envie de vivre ça en fait. J'ai envie de vivre des gens qui me disent « Ouais, moi le Mont Ventoux, je l'ai pas mal fait. Des petits conseils. Moi, je vais voir ma famille à Avignon, j'en profite pour aller grimper le Mont Ventoux. » Pff, c'est une régalade. C'est juste, ça me fait rêver. Hein. Franchement, non mais si, non mais vous rendez pas compte, moi en train de gravir le Mont Ventoux. Pff, beaucoup d'émotions en vrai. La team G-Doc est tellement rapide, c'est écrit que Ponce est en live sur le site. Quoi ? La team G-Doc exceptionnelle ! Qu'est-ce qu'ils font ? Cette team est ouf en vrai. Non mais... Attendez ! C'est pas validé, hein. Il y en a beaucoup là. Hein. Attendez. Oula ! Je vais pas signer encore. Hein. Tout n'est pas validé. La team G-Doc, calmez-vous. En vrai, ils sont trop forts. Je me rends compte en regardant comme ça qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Mais dans les beaucoup de choses, il y a des choses comme ça qui sont... voilà, les trois, par exemple, c'est cadeau, quoi. C'est ancré, plus de retour en arrière. Non, mais si. Les quatre premiers, c'est facile. Ah ouais, le tournoi MK du Z-Event avec volant, bien sûr. Mais bon, attendez, je vais faire juste un petit pissou, JPEP, et on clôture le tout parce qu'à mon avis, on arrive sur un truc un peu assez propre. Je suis assez fier de ce qu'on a. Petit pissou et on clôture tout ça, enfin on valide. Faut qu'on réfléchisse à certaines choses quand même. J'arrive. Alors, on vous met le lien du G-Doc dans le chat. OMG, les cheveux, JPEP. J'en peux plus de mes cheveux. Vous êtes infernaux. J'aurais jamais dû vous parler de cette phrase, hein. Vraiment, hein. Vous êtes infernaux. Trop chiant, putain. Ok, est-ce qu'il y en a pas trop, concrètement? Est-ce qu'on en a pas fait un peu trop? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, en réalité. Jamais trop. Ouais, mais après, faut le faire. Enfin, c'est... Faut le faire.
Le truc, c'est que maintenant qu'on a mis des choses, si on en enlève, on va faire pleurer certaines personnes, quoi. Donc, c'est difficile. Après, c'est pas mal, quand même. Hein. C'est pas mal. Je pense que c'est bien, ouais. Oh là là, le goal à 125 000. Ah oui, Tip Stevens. Alors, il y a ça. Alors, tu fais très bien. Bienvenue sur le live. J'ai mis ça, Tip Stevens. C'est haut, mais c'est possible. C'est, enfin, c'est haut, mais l'an dernier, j'ai fait 163 000 sur la cagnotte. Enfin, les fleurs ont fait 163 000. Voilà, je te cache pas qu'on a peut-être un mais what? Ouais, on a peut-être un projet, type. On a peut-être un projet, type. Tout à fait. Assieds-toi, faut que je te parle. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est un traquenard. Ouais, ouais, il a pas le choix. Hein. Il a pas le choix. Go vocal. Go vocal. Ok, ok, je note. J'avais pas vu ton message pédral. Ok. Petit vocal ? Non, non, mais laissez type tranquille. Peut-être qu'il est tranquille chez lui. Est-ce que tu vas participer au tournoi Beyblade de TPK pendant ce superbe The Event ? Je sais pas, mais moi, pendant The Event, mon but, c'est me régaler avec les potes. Donc, moi, mon but, c'est si on me propose un truc et que ça me chauffe, j'y vais, en fait. Il n'y a même pas une hésitation, j'y vais, tu vois. Donc, ouais, peut-être. Je sais pas. Capturer Ponyta Shiny, live cuisine avec Ultia et Riff, préparer un jeu pour une fin popcorn en fleurs, speedrun Breath of the Wild 10%. Vous savez que ça, j'y avais pas pensé, mais juste là, le fait d'en... ça me hype de fou. Hein. Moi, je... ça, c'est exceptionnel. Hein. Ça, c'est l'objet d'une vie. Hein. C'est un truc de fou. Composer musique Rockstoner avec clip, retour de Fab pour une soirée avec Miguel, live rap avec le règlement, live musique avec public. Ouais, mais live rap avec le règlement, en fait, ce qui me fait bader, c'est que qu'est-ce qu'on fait en fait? Genre, on parle rap. On est entre nous, on est en mode ouais, moi, le son, j'avoue, de l'album de Giorgio. Je sais pas. Pas ouf quoi. Ouais, la dernière fois, je marchais, puis j'ai réécouté ce son là qui m'avait marqué dans l'album de Vald. Je sais pas. C'est chaud hein. Je pense que tu connais bien le rap. Bah, j'écoute du rap depuis la fin des années 2000, donc en vrai, j'ai vu quand même le rap français évoluer, j'ai vu beaucoup de choses, ouais. Même le milieu des années 2000 en fait. Hein. En fait, j'écoute du rap depuis plus ou moins ma fin collège, début lycée, donc milieu des années 2000, ouais. 2005-6 à peu près. Donc ouais, quand même, j'ai vu des trucs, tu vois, mais... De là à faire une émission live rap avec le règlement, chaud, quoi. Je sais pas. C'est si insurmontable de finir Pokémon Colosseum. Ouais. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, ouais. Tout à fait. Pourquoi il n'y a jamais de rap dans la ponce radio? Parce que ça va pas trop avec l'ambiance du truc, et comme moi j'explique souvent, mon problème avec le rap, c'est que je n'arrive... Moi, quand j'écoute du rap, j'écoute du rap. Je fais rien d'autre. J'arrive pas du tout à écouter du rap en parlant, à écouter du rap en faisant d'autres choses et tout. Moi, quand j'écoute du rap, j'écoute le rap vraiment, tu vois. Genre... Et du coup, je peux pas trop en mettre dans mes playlists et tout, parce que j'arrive pas du tout à parler par-dessus, j'arrive pas du tout à kiffer sans écouter. Enfin, tu vois, sans être attentif. Voilà. Tu veux que je descende au studio pour vocal du coup? Non, te prends pas la tête, type, on en parlera entre nous. Te prends pas la tête. T'inquiète. Ouais. En fait, j'ai un doute sur le... Là, pour moi, en fait, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ce qui est plus compliqué à assumer, c'est le live rap. J'ai un gros doute sur le live rap. C'est-à-dire, est-ce que vraiment... Le live rap, c'est bien. Qu'est-ce qu'on y foutrait? Anecdote. Après, comme tout, hein, ça s'écrit.
juste un live chill Mario Kart avec, avec lui, avec le règlement. Oh oui, non, mais dans ce cas-là, enfin, un live chill Mario Kart avec le règlement, c'est pas un donation goal à 163 000 quand même. Tu vois? Ah, je me tâte. Ok, là on est sur un gros, une grosse hésitation de mon côté. Remplace au pire par battre étoile à Smash. Non, trop compliqué ça, mettre en place. Je passe par là totalement par hasard, je suis en mode full pression du coup. Non mais attends, Tip Steven, c'est 180 000. Hein. L'an dernier, j'ai fait 163 000 sur la cagnotte, donc 180 000, c'est... Là, on est sur des trucs, voilà, c'est chaud. C'est chaud. Ah putain, je me tâte. Pompon, plus de challenge pendant l'event. Et non, comme j'ai dit, en fait, le truc, c'est que pendant l'event, je te jure, tu vois pas le temps passer, t'as pas le temps de faire tout ça. Alors, j'ai fait qu'un seul event, donc je sais pas, mais je vous jure que t'as pas le temps, en fait. Tu prévois des trucs, et au final, t'es en mode, putain, il va falloir que je les fasse, attends, parce que j'ai ça là, il y a machin qui m'appelle. C'est chaud, hein. C'est trop chaud. Vraiment, hein. C'est ça qui est bon. Ouais, mais bon. Le shiny, ça peut te prendre une semaine, mec. Ouais, bah c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Je pense que c'est mieux de vivre le The Event en mode on verra ce qui se passe que de tout prévoir, que de prévoir plein de trucs. Ouais, moi, encore une fois, je sais que je l'ai dit plein de fois pendant le live, mais moi, concrètement, je vais au The Event, je veux juste me régaler avec les potes et j'ai envie de dire oui à ce qu'on me propose sur le moment. J'ai pas envie d'être cloisonné par plein de trucs à droite à gauche ou en mode putain, il y a ça là, il y a telle personne qui m'a dit ça, moi j'ai atteint ça, il faut que je fasse ça et au final tu galères et je préfère franchement non, je préfère être tranquille. Bon, je voulais garder mes pétales pour bet un max, mais je me dois de proposer à la place du live rap live botanique. Et la douille de 350, on l'a vu, non mais au bisou, ponce. Donc, de quoi? Pardon? De quoi? Par rapport à quelle douille? Vous vous rendez pas compte, hein? Hein? De quoi? Si tu fais le tournoi MK, tu pourras pas faire le quiz hardcore de JDG dimanche. Bah je le fais pas. Voilà. C'est prévu que je le fasse pas déjà. C'est prévu. Pourquoi 163 000, c'est hyper précis comme chiffre? Parce que c'est ce que j'ai atteint l'an dernier. C'est... voilà. Voilà. Donc là, on ajoute là, on fait ça, 125, 151, 163, 285. Non, pardon, 185, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait n'importe. Non, ouais, mais là, on ajoute qu'un 2, non, est-ce qu'on mettrait pas un 90, là, on a du 30, non, 25, et là, 3. Ouais, je pense qu'on va faire ça, ouais. Je pense qu'on va faire ça. ...75, 100, 125, 151, 163, 190, 225, 350. Voilà, je vais faire ça. Voilà. Pour, je me permets ce petit message pour te mettre doux et dire qu'en vrai, un live batterie plus buff plus freestyle plus beatbox plus pastis, ça nous calera bien en douceur. Je t'aime et n'oublie pas. Ouais, oui, enfin là, il y a beaucoup de choses dans un live quand même. Beaucoup de choses. Ça ne résout pas le problème du live rap. Ouais. Ça résout pas ce problème-là, effectivement. Attendez, j'ai une réponse peut-être. Ah non.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a pas répondu. Tiens, vous savez quoi? Fais un ponce la nuit avec le règlement à la place du live. Rap. Ouais, mais bon. Attendez. Venez, on fait un truc. Venez, on fait un sondage. T'écoutes beaucoup de rap actuellement? Ouais, ouais. J'écoute quasiment que du rap. Quasiment. slash sondage. Ah merde. Attends, slash poll, pardon. Juste, vous préférez quoi? Alors juste, ce sera pas forcément pris en compte, hein. Mais c'est une info. C'est une info. Live rap avec le règlement. Live botanique. Clean walk calanque. 2 minutes, vous avez 2 minutes. Voilà. Règlement, je peux pas mettre le T1. Ok. C'est parti. Clean walk, c'est aller marcher dans des calanques et nettoyer. En gros, ramasser tous les trucs dégueulasses que tu vois, ramasser, jeter, ramasser, jeter, ramasser, jeter, etc. Voilà. Live botanique avec Rayou OMG. Je le ferai probablement pas seul, ouais, effectivement. Effectivement. C'est un truc que je ferai pas seul. Ah, le rap qui est en train de se faire exploser, hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, si tu veux faire des émissions et tout, je suis dans une école de cinéma. En vrai, on peut carrément t'accueillir dans nos studios avec équipe matérielle déjà inclus. Tu peux grave faire un truc si tu veux. Oh, c'est adorable. C'est très, très gentil. Mais en réalité, il y a des boîtes de prod... Gozulting, ZQSD, y en a plein qui, avec lesquels on est capable de travailler et qui ont l'habitude du stream aussi. C'est ça. Ah, on est sur de la bota, quoi. On est sur de la bota. Évidemment, le live botanique, ce serait avec quelqu'un. Hein. J'irai pas seul faire un live botanique. Je sais pas qui, hein, mais ce sera probablement, ouais. Ça consiste en quoi, le live botanique? Oh, aller dans un parc botanique ou autre et se renseigner sur tout ça et puis voir ce qui se passe, quoi. Ouais. C'est un live IRL, quoi. Live pétanque, ponce. Mais le live pétanque, c'est déjà, ça aura lieu, c'est bientôt. C'est là. Là. C'était l'an dernier, déjà. Pour le live cuisine, 51 000, pourquoi pas une recette à base de pastis? En vrai? Ah non, je sais pas, je crois que Ultia, un peu le pastis rive non plus, je crois. Une série de live, façon j'irai dormir chez vous, tu vas jouer aux jeux vidéo chez tes modos pour qu'on en apprenne mieux à les connaître. Alors, c'est une idée qui est sympa, je trouve, mais le truc c'est que, tu sais, y a pas tout le monde qui a envie de passer à la caméra devant des milliers de gens, hein. Vraiment, y a pas tout le monde qui est chaud là-dessus, hein. Bon, vraiment, live botanique, majorité absolue, hein. Et le rap, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Rien à foutre, quoi. Ouais. Le live botanique à ce goal-là, il n'y a pas de concept, non? Bah, le concept, tu le dis dans le titre, un live botanique, c'est pas un concept par définition? C'est-à-dire? Enfin, c'est-à-dire. Bim. Je vais enlever ça, il faut qu'on réfléchisse à ça. Hein. Ou au pire, en vrai... Au pire, il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Avec Jamy. Ah, j'avoue, live botanique avec Jamy, ce serait incroyable. Ouais, je vais pas demander. En fait. Je force depuis le début du live, mais normalement, tu as un rap à faire avec Jill. Oui, j'ai un rap à faire avec Jill, mais normalement, c'était dans les donation goals de Jill, en gros. Et elle avait dit, je fais un rap, fit Ponce. Et elle m'avait demandé, j'avais dit, je suis grave chaud, mais elle a jamais fait son rap. Du coup, je peux pas fitter. Tu vois ce que je veux dire?
Mais moi je lui ai dit, je suis trop chaud, tiens-moi au jus, genre j'écris quand tu veux, mais c'est fit moi, tu vois, c'est pas mon rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Rah, je me tâte. En vrai, je me tâte limite à enlever ça. Hein. En vrai. Voilà. Mais en vrai de vrai, tu vas vraiment faire le Mont Ventoux. Mais en fait c'est PA qui a mis ça dans ses donation goals, et moi j'avoue que le Mont Ventoux, c'est, vous rendez pas compte, c'est toute ma vie. Vous savez que tout le monde se fout de ma gueule, parce que moi à chaque fois, par exemple, Rive, à chaque fois qu'on prend le train ensemble et qu'on passe vers Avignon, vers la Provence et tout, je lui montre, tu vois, selon où on est, tiens, là, c'est le Mont Ventoux, mais attention, on a une vue de l'autre côté, parce qu'en fait, là, on est au niveau de la Drôme, du coup, on le voit de l'autre côté. Par contre, je te montrerai Avignon. Enfin, je suis un fan de Mont Ventoux depuis toujours, donc j'avoue que, vu que PA a collé ça, je kifferais trop le faire, en fait. Je kifferais trop, vraiment, faire l'ascension du Mont Ventoux, c'est juste que va falloir se chauffer, quoi. C'est tout. Et que c'est dur. Voilà. MDR, Alex a dit la même sur son live. Ah, j'ai dû la faire à Alex aussi, j'avoue. Bah, parce que je lui ai montré le Mont Ventoux. Mais comment voulez-vous que je passe devant le Mont Ventoux sans le montrer aux gens? J'adore le Mont Ventoux. J'adore le Mont Ventoux. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, vous savez quoi? Rah, c'est chaud. C'est chaud. Moi, je pense qu'on a un truc déjà. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Moi, je pense qu'on y est. Moi, franchement, je pense qu'on y est. Franchement, c'est legit. Et ça monte en intensité. C'est-à-dire que, voilà, tournoi du. Fin de la Ponce Radio, cosplay. Tournoi du dimanche The Event avec Volant. Ça aura lieu probablement. Capturer Ponyta Shiny, ça nous donne un défi à faire plus tard. Live Cuisine avec Ulti Riff, ça nous donne une bonne émission à faire plus tard. Préparer un jeu pour une fin de popcorn. Ça donne quand même un truc plutôt cool dans Popcorn, surtout que j'essaierai de... Enfin, on bossera sur un truc sympa, quoi, dans l'idée. Speedrun Breath of the Wild, Any%, franchement, dans mes veines de bosser là-dessus. Vraiment, sans déconner, ça peut prendre des mois et des mois, mais c'est dans mes veines. Composer Music Rock Stoner avec clip, c'est un peu une dinguerie, en réalité. C'est un peu une dinguerie. Enfin, peut-être que vous en rendez pas compte, mais en vrai, composer une Music Rock Stoner plus faire un clip, bosser là-dessus, ça voilà, c'est pas mal. Retour de Fab pour une soirée avec Miguel. J'aime bien l'idée. Pour un live, je vais écrire plutôt, c'est plus clair. Pour un live avec Miguel. Live musique avec public, c'est une dinguerie. Voilà. Ça, ce serait un truc vraiment. Voilà, ça se chauffe. Mon Ventoux à vélo avec PA. Enfin, j'ai dit avec PA parce qu'il le fait, donc je vais mettre entre parenthèses, mais j'ai pas spécialement demandé, tu vois. Mais mon Ventoux à vélo, c'est un truc de fou. Comme une envie de prendre de la ventoline alors que je suis pas asthmatique. Mais non, Tip Steven, tout va bien, t'inquiète. T'inquiète. Le live botanique hype vraiment les fleurs. Apparemment, ça boosterait bien les troupes pour grimper dans les donation goals. Ouais. 100% live botanique avec Jamie ou Uber Reeves, l'astrophysicien qui écrit aussi sur la botanique. Ah. Après, le live parapente à écrire Ultia, ça arrivera pas parce que le montant est très élevé, mais ce serait une dinguerie, quoi. Clean, mais giga choqué de la place de Colosseum dans mes veines, ce let's play. Et parce que je le finirai quoi qu'il arrive. C'est pour ça. Tu sais très bien. Pauvre Ulti Riv, ils ont rien demandé. C'est vrai. C'est vrai. Je fais ça quand même. Tu veux pas descendre le Mont Ventoux? Non, mais le Mont Ventoux, c'est un truc de fou, ça. Hein. Enfin, vous vous rendez pas compte, je crois. Hein. L'ascension du Mont Ventoux, c'est... Voilà. Pourquoi qu'un live avec Miguel? Parce que j'ai pas spécialement envie de faire du GTRP, enfin, de reprendre GTRP, vraiment, tu vois, une aventure longue, etc.
Mais par contre, le temps d'un live, reprendre GTRP avec Fab, ça me chauffe, tu vois. Mais j'ai pas spécialement envie de faire du RP sur du long terme, tu vois. Parce que ça demande beaucoup d'investissement. Si PA atteint pas l'objectif du Mont Ventoux pompon. À mon avis, PA, il l'atteindra. Enfin, c'est même... Il a mis plutôt... Voilà, il a mis à 650 000. J'ai cru que c'était 100 000. Ah, c'est beaucoup, ouais. Après, moi aussi, hein, c'est encore pire. Moi, je mis 200 000. Mais parce que PA est beaucoup mieux préparé que moi sur le Mont Ventoux, tu vois. Ce qui serait cool, c'est que lui, il atteigne et que moi, peut-être, tu vois. Je sais pas. Ok, j'ai une confirmation au moins de PA qui me dit que ça peut être cool, mais que c'est très difficile, effectivement. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un gros défi. Et après, pour ce qui est de faire à deux de CPA, moi je veux juste le faire pour moi perso. Je veux dire, en soi, si, évidemment, toi j'imagine que tu feras un truc en live ou j'en sais rien. Moi j'avoue, tranquille, hein, moi juste je vais essayer de le faire déjà. Mais ouais, non mais je le laisse. Franchement, monter du Mont Ventoux, juste pour moi, juste pour l'idée, ça me chauffe trop, tu vois. Trop. Allez, je remets le live botanique. Je monte le Mont Ventoux. Je place ici un 190. Et je mets un live botanique. Voilà. Voilà. J'arrête tout. Ce sera comme ça, je pense. Voilà. C'est ça. C'est validé. Ça assume pas. Mais c'est pas que ça assume pas, c'est que voilà, c'est chaud. Pas de live rap anyway du coup. Ben, je sais pas, peut-être un jour comme ça, mais pas dans les Donation Goal en tout cas, je pense. $184,000 pour un Vauclusien. Ouais, mais... C'est pas... C'est... Non, c'est bien. Franchement, la liste est bien. Honnêtement, c'est que des trucs qui me font kiffer, là. Il y a que des trucs qui sont vraiment très cool. Et c'est des beaux défis aussi pour certains, là. Quand on descend live musique avec public, live botanique, Mont Ventoux à vélo, live parapente. Je finis... Alors, le plus gros défi, c'est finir Pokémon Colosseum. Ça, c'est un délire, ça. Et en plus de ça, il y a quand même le fil rouge. Tous les 5000, j'offre une fleur à quelqu'un sur place. Quand même. C'est vrai qu'il y a ça. Non, c'est pas mal en vrai. 184 000, Mont Ventoux, plus drôle, non? Bah, en fait, Zwan, je suis d'accord, c'est beaucoup plus drôle, mais en fait, ce qui est moins drôle, c'est que 184 000, il y a quand même plus de chances qu'on l'atteigne que 225 000. Et concrètement, le Mont Ventoux, faut que ce soit un truc, une dinguerie si on l'atteint, tu vois? Parce que c'est une dinguerie, en fait. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi mettre le montant en fonction de la hauteur du délire. Genre, j'avoue que... C'est chaud. On veut te voir au Mont Ventoux. Ouais, mais bon, bah du coup, va falloir donner, hein. Voilà, hein. Non, mais je pense que c'est win. C'est quand The Event, c'est le week-end prochain. Le marathon de PA, c'était 150 000. Ouais, c'était en 2019 aussi. Oui. T'as prévu de donner aux The Event pour défiscaliser, Ponce. Bien sûr. Mon seul objectif étant de me défiscaliser au maximum. Tout à fait. C'est bien comme ça, l'objectif assez loin hype bien. Bah ouais, franchement là. Non mais franchement, je suis content. Franchement, je crois que je vais valider ça. Le speedrun Breath of the Wild à 10%, il est dans mes veines. Hein. Genre vraiment. Je kiffe trop. C'est bien. Le Mont Ventoux, PA, c'est 150 000. Ouais, mais PA est beaucoup plus sportif et préparé que moi. C'est quelqu'un qui est capable de réaliser ce genre de choses. Moi, on va dire que le doute est posé, quoi. Voilà. C'est... Le doute est posé, hein. Mont Ventoux, 1600 mètres de dénivelé positif. Ouais. C'est vrai. Ouais, mais c'est surtout le toit de la Provence, quoi. C'est surtout ça qu'il faut noter, hein.
crois que t'as oublié qui on était, tu vas aller faire du parapente, hein. On verra. On verra. Pas la rêve de Pokémon Colosseum. Oh, c'est juste un jeu que j'ai jamais fini alors que j'ai commencé en let's play en tout début d'année, quoi. Mais c'est tout. Voilà, tranquillement. Tranquillement. Bon bah, je crois que j'ai tout fait, franchement. Franchement, je pense que j'ai tout fait. Tu penses que tu vas faire combien cette année au niveau des Donation Goals? J'en ai aucune idée. En fait, le truc, c'est que ça, c'est l'an dernier, je vous le rappelle. Le truc, c'est que l'an dernier, il y avait une réalité où on était en pleine crise sanitaire et donc beaucoup de gens n'ont pas bougé, donc en fait pas utilisé leur argent. Alors certes, il y avait aussi beaucoup de chômage technique ou autre, mais beaucoup de gens n'utilisaient pas leur argent, donc peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui ont pu donner. Là, concrètement, il y a eu un été un peu plus classique, il y a eu tout ça, peut-être que des gens ont moins donné, je sais pas en fait, c'est difficile de prévoir en fait. Mais dans l'idée, l'an dernier, c'était peut-être aussi particulier, quoi. Voilà. Je sais pas. Ouais, à mon avis, c'est chaud. C'est vrai qu'à la limite, 200 000, c'est déjà dur à atteindre, surtout avec la fin du Covid, entre gros guillemets. Ouais, ouais, non, c'est dur à atteindre. Après, le but, c'est que ce soit dur, hein. Je veux dire, regarde, l'an dernier, on n'a pas atteint ça, quoi. Il n'y aura pas de Tour de France, deuxième édition du jeu vidéo, quoi. On l'a pas atteint. En soi. Hein. C'est le jeu aussi. Il a dit quoi, Riff? Putain, j'ai pas vu. Putain, j'ai pas vu. MDR, le Ventoux, alors tu veux juste le monter le montrer à PA ou le faire à vélo? Non mais mec, c'est 225 000, Rive. C'est 225 000, mec, c'est genre... T'inquiète, bro. Tranquille. Tu peux le descendre aussi. Ouais. Là, j'avoue, j'ai juste mis mon ventou, y a rien, tu sais. En tout cas, trop hâte de te voir, Riff, sur le parapente, là. Bon, vas-y, je vais valider ça, je pense. Je pense qu'il va se faire raid, on va moins rigoler. Oh, l'an dernier, je m'étais pas fait raid du tout, ça m'allait d'ailleurs. Donc, tranquille. Ou alors, je mets un 225 000 Mont Ventoux à vélo, 226 000, finalement non. Non, mais c'est bon, je valide ça. Je valide. Tu sais, juste tu marches. Ouais, bah ouais, au pire, je le fais à pied, hein, mec. Ah non, mais c'est sûr. Avant, t'as grave choqué l'année dernière, tu pensais pas aller jusqu'à 160 000. Ah non, je pensais pas, effectivement, oui. En plus, c'était ma première participation, donc je pouvais pas savoir, tu vois. Moi, déjà, pour moi, 75 000, c'était la dinguerie si c'était atteint, tu vois. Non, c'est sûr que j'avais été assez étonné. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. Pas de Tour de France du jeu vidéo 2. Non, j'ai pas mis, Rive. J'ai pas mis. Par contre, t'as vu, t'as écrit là, mec. Hein. Non, c'est bon. Non, messieurs, dames, c'est validé. C'est parfait, c'est validé. Je pense que je reste là-dessus. Voilà, de quoi serait... Voici mes donation goals du The Event. Voilà, c'est ça. C'est ça. T'es sûr. C'est validé. 350 000, je suis large. T'inquiète. C'est quoi le principe du Tour de France du jeu vidéo? Alors, c'est donc... en fait, en 2019, au début d'année, avec Rivenzy, on a fait 3 semaines de road trip... partout en France où on est parti à la découverte des acteurs du jeu vidéo en France, et c'était en live, ça a duré 3 semaines. On a fait ça en live et ensuite on en a fait un film qui dure quand même 2h36, le film, le Tour de France du jeu vidéo, où on va voir Ankama, Solary, le stream, des LAN aussi, la Gamers Assembly, O-Gaming, on va voir plein d'entités du jeu vidéo en France. Et là, il y a un film où il y a les coulisses, il y a un peu de tout, il y a des images aussi qui sont pas passées en live de nous, voilà, pendant les trajets, où on... Profite de l'Ohio, j'ai le moral à zéro. Ça m'était
très bien, mais qu'ils essayent pas de faire mieux. Ah ouais, mais le truc, je fais le truc, c'est que j'ai qu'une roue sur le trottoir et le reste, non. Ouais, ça arrive. Hein. On mange l'incendie chez la fricadelle. Parce qu'on est dans le nord, c'est la première fois que j'ai mangé la fricadelle. Et... C'était dégueulasse. Mais tu rigoles. Peut-être qu'il a... Bref, à l'ancienne quoi. À l'ancienne. Eh mais c'est mon accent. Ouais ouais, là, my bad, c'est catastrophique. Hein. J'aimerais tellement un 2. Ouais mais le truc du 2 c'est qu'il faudrait vraiment un... Il faudrait vraiment qu'on ait des entités à aller voir nouvelles, tu vois. Ça qui est compliqué. Ça qui est compliqué, ouais. Très compliqué. Finalement, ta coupe là est mieux. Ouais, non, mais ça va. Oh. Et là, alors, la tête que j'ai. Oh non, c'est Manu! Content ou pas? Très content. On a mangé de la fricadelle tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il y a dedans toujours, mais... Ouais. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans une fricadelle? Non, mais il faut absolument pas se poser la question. Bah ouais, mais tu... Bref, c'était lourd, ouais. C'était lourd. Kiffé. Le tour du monde du jeu vidéo. Non, mais enfin, là, c'est un délire. Hein. Moi j'ai adoré le Tour de France du jeu vidéo, j'ai regardé toutes les vidéos au moins 3 fois, ça m'a redonné une bonne humeur pendant un bon moment, merci. À ce point là, de fuck. Il a dit quoi? Plus 1 pour la propale de Rive, il a dit quoi le Rive? Putain, je vois pas. Message de Rive, je vois pas. Rive. Merde. J'ai pas vu Rive, ton message. Discord. Ah. Mec, viens on rajoute, on réacte au film du Tour de France, on peut le faire. Ah. On peut le faire sur place. Sur place, non. En vrai pour moi, sur place, c'est pas une bonne idée. En vrai. Merci au Tour de France du jeu vidéo pour la vitrine que j'ai eue pour trouver un appart. Putain, Romain, c'est vrai que t'avais fait une annonce pour ton appart, ça me fume. Non. En fait, le react du Tour de France du jeu vidéo, moi, je suis chaud, mais pas pendant le The Event, parce que pendant le The Event, il y a trop de trucs qui se passent pour se caler 3 heures devant une vidéo, en fait. Vraiment. Ce serait plus sur un canapé au calme, tu vois. En pleine nuit. T'as fait tes donation goals, toi, Rive? Soit en pleine nuit quand il n'y a pas grand monde, mais bon, après tu me connais, hein, moi c'est plus la journée en vrai. Pour moi, soit on le fait la nuit pendant The Event, parce que voilà, il y a un peu moins de gens, quoique, etc. Soit on le fait un autre jour sur, au calme sur un canap, tu vois, quand on veut. En fait. La nuit. Je sais pas. Pas de forcing, mais la nocturne, je plus soin. Je sais pas, je réfléchis. Ouais. Après, de toute façon, c'est un truc qui, du coup, n'a aucun rapport avec les donation goals, dans l'idée. Ah, ça peut être une idée, quand même. Mais ouais, voilà. En fait, voilà, comme le dit Yannis, c'est un peu idiot de rester 3 heures à React pendant un event comme ça. En fait, c'est ça, le truc. En fait, c'est exactement ça, le truc. Tu vois, je... Encore une fois, j'ai fait qu'un seul The Event, donc voilà, mais je me rappelle que l'an dernier, j'aurais eu aucune envie de me caler pendant 3 heures à réacter un truc, en fait. Tu vois? J'ai pas fait mes donation goals, mais je l'ai fait demain sur... Il met son lien, il me fume. Ok, tu l'as fait demain, Rift, tes donation goals, très bien. Non, mais franchement, non. Viens, on fait ça plus tard. Aucune envie de faire ça pendant, genre, ça va, c'est frustrant, en vrai. Non, viens, on fait pas ça. Rift, il a vraiment mis son lien, il me détruit. Non, mais non, c'est bon. Ça me choque pas, il y a plein de réacts pendant The Event, il y a des moments de flottement. Ouais, mais des réacts de 2h30? Non, en vrai, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'aurais pas envie, je pense. Non, mais attends, le live cuisine, Rive, mais tu sais quoi? React Tour de France du JV sur Canap avec Rive Ult. Et tu sais quoi, Rive, demain, mets un live cuisine, toi. Tu vois? Je pense. Si, je pense. Ultiel demande rien, elle est dans le truc. Ouais, mais tranquille. En gros, Rive, moi, j'ai fait ça. Et toi, mets le live cuisine.
et Manu. Oh, ce serait dingue. Oh oui, ce serait dingue. Ouais, après, je sais pas s'il a envie, mais ce serait une dinguerie. Ce serait dinguerie. Je vais le dire à Ultia, je pense. Elle a fait quoi, Ultia? Elle les a pas déjà fait? Là, y a rien. Mais elle les a pas fait vendredi? Si. Si, ouais, c'est ça. Faut faire les deux, cuisine puis react en mangeant sur le canapé posé. Ouais, mais le live va durer 10 heures, quoi. C'est chaud. Très chaud. Non, il vaut mieux séparer les trucs. Elle les termine lundi. Ah, mais c'est bon, alors. Et si elle les termine lundi, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit de mettre ça. Parce qu'en vrai, le live cuisine, c'est sur sa chaîne et c'est chez elle. Donc, effectivement, moi, je vais mettre ça et le live cuisine sera sur la chaîne d'Ultia. C'est beaucoup plus cohérent. Ouais, je vais faire ça. Je fais ça. Voilà. Moi, j'ai mes trucs. Moi, j'ai mes bails sombres. J'ai mes bails sombres. Bonsoir. Bonsoir, Ivanzi. Ouais, je me suis dit que j'allais venir, comme ça, ce sera un peu plus simple. T'es. Ouais, on peut, ouais, carrément. Ça va, bro? Ouais, ça va, et toi? Ça va, bro. Tu faisais quoi, bro? Bah, j'ai fait une super sieste. Ah, ok. Ah oui, après ton samedi sport. Et voilà, et puis tranquille quoi. Du coup, j'ai fait une sieste devant tes... Parce que ton live de Nation Goal est parfait pour faire des siestes, pour le coup. Ouais, tu te fais chier, ouais. Reposant, j'aurais dit, mais... Ok. Ouais. Ok. Enfin, tout dépend où on met le curseur. Ouais, ouais. Tu chill quoi. Mais tu chill, mais au point où tu t'emmerdes, quoi. Bah, je chill au point que je m'endors, mais... Ouais. Mec, tu t'endors. Me fais du bien, quoi. Tu me fais du bien. Je te fais du bien. Est-ce que l'endormissement, c'est plus... Plus à ton avis, genre signe d'emmerde ou plus signe de. Genre d'être calme, d'être posé, tu vois. Du coup, t'as mis. Ouais, alors, ouais. Ouais. Rive, Ultia et Manu. Manu, ça va être chaud qu'ils viennent, je pense. Hein. Pourquoi? Bah, gros, il vient du nord. Bah, mec, on l'a pas vu depuis. Il débarque de Nolémine, gros. Il est à Nolémine, mais on lui. Il est dans la mine, lui. Il est dans la mine encore. Le mec, il a pas bougé dans les mines depuis 8 ans. Donc, le mec. Il a pas bougé, il a Nolémine, mec. Ça se trouve, il sous-traite à des mineurs et tout. On a pas de nouvelles. Non, je pense que c'est lui quand même. Il mine de la vidéo depuis 3 ans, donc. Non, mais mec, en vrai, on lui prend un petit billet, il vient le temps d'un week-end. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, en plus, Manu, et puis voilà, et puis on se fait ça. Bah, moi, je suis chaud. Ça se trouve, il s'est coupé les cheveux, mec. Parce que les gens savent pas. Ah oui. Manu. Est allergique à ses cheveux. Tout à fait. En fait... vas-y. Non, mais vas-y. En fait, Manu est allergique à ses cheveux, puisque vous le voyez sur les modes, Manu a des cheveux... Mais Manu a des cheveux longs, donc vous vous dites, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que... C'est bizarre, tu vois. Oui, il est allergique à ses cheveux, si vous voulez. En gros, Manu, effectivement, est rouge, vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, là, mais... En fait, Manu a des plaques rouges, moi aussi, un peu comme moi aussi, qui en fait beaucoup. En fait, je lui dis, mais mec, mais d'où ça vient, tes plaques rouges? J'ai dit, bah en fait, je suis allergique à mes cheveux. Ça existe. Et, ouais. Et en fait, je lui dis, mais mec, mais pourquoi tu les coupes pas? Comme ça, problème réglé, tu vois. Juste, tu fais une petite coupe, petit dégradé, un peu 2 mm, t'es nickel quoi. Il me dit, sauf que quand j'ai les cheveux courts, j'ai une tête de con. Voilà, pourquoi est-ce qu'il garde ses cheveux longs et du coup qu'il reste avec ça. Du coup, ouais, il a décidé de garder ses cheveux parce que sinon il trouve qu'il a une tête de con avec ses cheveux courts. Non mais, du coup, il préfère subir l'allergie plutôt qu'avoir une tête de con. Complètement. Mais complètement. C'est un choix, hein. En vrai, c'est un choix pur. C'est Manu quoi, donc évidemment c'est un artiste, la vida loca. Pour ceux qui se demandent qui c'est Manu, c'est en gros Manu c'est Monsieur Chaussette et c'est quelqu'un qui, bah c'est celui qui monte tous mes best-of par exemple sur ma chaîne et c'est celui qui nous a suivi pendant le Tour de France du jeu vidéo et avec qui on a beaucoup créé et on crée toujours beaucoup quoi. Mmh. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça, ce serait cool qu'il soit là, c'est vrai. Mais en fait pour le live cuisine, j'avoue, les gens m'ont dit de faire un live cuisine 100% breton, entrée, plat, dessert. Sauf qu'on devait déjà faire un live cuisine avec... Mais du coup, je le ferai avec Ultia, je pense. Parce qu'Ultia avait déjà proposé de le faire sur sa chaîne, un live cuisine. Ah. Breton, mais pas spécialement en Donation Goal. Elle fait des super live cuisine. Donc, elle m'a dit, vas-y, viens, on fait des trucs bretons et tout. Du coup, je suis en mode, ah, ouais... Ouais, mais du coup, nanani, c'est un live... Nanani, tout ça, puis le truc ouais, breton, puis la Bretagne, en Bretagne, plus... Parce que je suis breton, en fait, tu le sais peut-être pas, mais en fait, je suis de Bretagne. Et... Ouais, non, si, je crois qu'on sait, mec. Okay. Je crois et qu'on sait que t'es... Mais oui, donc vous voulez faire un truc de cuisine sans moi, quoi? Non. Non, mais mec, non, attends, tranquille. Non, ça aurait été bien que tu sois là. Ok. Mais peut-être qu'on n'y a pas pensé tout de suite, ça je voulais dire. Ok.
Ouais, mais du coup, tranquille, moi, c'est juste que je sais pas trop, comme c'était plus une idée à la base de Carla, c'est vrai que j'ai pas envie de lui dire en fait, dans les Dash and Goal, c'est pour ça, mais faudra que je vois, faut que je réfléchisse. Non, non, mais ok, tension dans la villa. Non, mais de toute façon, je l'ai enlevé, moi, j'ai mis React du Tour de France du jeu vidéo. Donc voilà. Ah, incroyable. Ouais. Donc, incroyable. Donc moi, le goal est supprimé de mon côté. Ah ouais? Donc démerdez-vous. Ouais. Oh, la violence. Ouais. Okay. Ouais, ouais. C'est violent quand même, hein? Bah, mec, oui. C'est violent. Ok. Bah écoute, très bien. Très bien, très bien. Mais en fait, je le proposais. En fait, en gros, moi, j'ai expérimenté les Nocturnes aux The Event et c'est assez insane. Mais je sais que toi, tu streams la journée, donc c'est pas facile. Mais je sais que ça s'y prêterait très bien, pour le coup. Et c'est un truc qui est potentiellement à faire sur place. Mais je comprends que toi qui stream beaucoup la journée, soit pas simple de genre commencer un React à 1h et de potentiellement le terminer à 3h du matin, quoi. 4h du matin, plutôt. Voilà. Ouais, après. Mais on pourrait pas avoir Manu aux The Event, quoi. C'est ça le truc. Déjà, on n'aurait pas Manu aux The Event. Et puis, tu vois, imagine, il se passe des trucs, machin, tac, bim. La nuit, je pourrais avoir vraiment fait de 1h jusqu'à... Vraiment, de 1h à partir de 1h, ça devient beaucoup plus calme, pour le coup. Pour avoir fait les nocturnes l'année dernière, c'est très, très calme. Ouais. Ah ouais, moi, je suis un mec de la nuit, hein, tu sais. Je suis un mec de la night. Je suis un mec de la night. Et puis, il faudrait qu'on soit sur un setup où il y ait 3 micros dispo. Ouais. Et il y aura pas Manu. 3 micros, ouais, faut voir. Il y aura pas Manu, ouais, mais il y aura Eltia quand même. Ouais, mais il y aura pas Manu. Ouais. Mais après, c'est vrai que non, ça va être trop tard. Jamais Eltia, elle va rester réveillée jusqu'à 4h du matin. Aussi. Oui. En fait, il y a rien que ça. Eltia, on va lui donner le bail, on va lui dire 1h du matin, ça te chauffe ou pas? on part pour 4h de React là. t'es ok ou pas? Non, juste à partir de là, je pense que c'est game en fait. Et puis en plus, tu dis ça, mais effectivement, l'an dernier, sur place, il y avait pas mal de gens qui étaient pas là. Et du coup, tu vois, il n'y avait pas des Antoine et des MV qui ont l'habitude de se coucher à 8h du mat passé. Ils n'étaient pas là l'an dernier sur place. Ouais. Après, oui, c'est vrai, finalement, ouais, j'avoue. Bah, ouais. Non, mais je pense que... Non, mais faisons-le. En fait, en gros, c'est vrai que c'est cool d'avoir certains donation goals qui sont sur place. C'est pour ça que j'avais dit, bah, si tu cherches un donation goal sur place, on peut faire ça. Mais en vrai, mais en fait, ça marche tout aussi bien sur un setup canap, c'est le feu, tu vois. Bah, moi, en fait, je cherche pas à faire des trucs sur place plus que ça, parce qu'en fait, sur place, il y a déjà des milliards de trucs qu'on va faire. Et genre, si c'est pour passer notre vie à chercher. Moi, je veux être calé et faire ce que je veux quand je veux sur place, tu vois. C'est beaucoup plus agréable de vivre le moment comme ça, moi, je préfère. Ouais, donner des obligations. Aurélien, t'es non, mais t'es vacciné, je suis ton père, mais j'ai rien à te dire, d'accord, ok. Ok, papa, merci. Ton daron, mais. Oh. Ok, merci, papa. Donc voilà, tu fais bien. Du coup, moi je suis pas là pour te dire quoi faire et dicter ta vie. Hein. Bah c'est pour ça. Donc en vrai, je préfère pas mettre des trucs sur place. Voilà. Et carpe diem. Merci. Bah faisons ça alors, carpe diem alors. Carpe diem. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Donc voilà. Donc non, je vais garder le React Tour de France où qu'on fera une fois sur un setup canap au calme où on prendra le temps avec Manu, ce serait insane en vrai. Voilà. T'as mis à 2 millions, je finis Pokémon Colosseum, mais ouais. C'est un troll, je vais le finir quoi qu'il arrive. Mais si, je vais le finir. Ok. Oui. C'est pour foutre le seum. Ok. Écoute, ok. Bah voilà, bah Rive, merci beaucoup pour ta participation. Écoute, rien, c'était juste un petit échange rapide, quoi. Ouais. Sûr, évidemment. Écoute, je te souhaite une excellente fin de live à toi et toutes les fleurs, bien sûr. Ouais, t'es cross-piece, mon Rive. Bien sûr, et je remercie évidemment les modérateurs fleurs qui m'ont pas banni à partir du moment où j'ai mis ma chaîne dans ton chat. Bah mec, c'est normal de se faire bannir pour ça, c'est interdit la pub. Je me suis pas fait bannir, et du coup j'ai été magnanime. Okay. Je remercie le fait qu'ils aient été magnanimes. Ok, c'était à deux doigts, c'était close, tu m'étonnes. je me casse, allez ciao. Toi tu les fais demain sur ta chaîne tu fais les donation goals. Ouais, je fais les donation goals, ça va être insane, j'ai masse d'idées, bam, ça va pulser sur les idées, ça va, les gens vont être en mode, waouh le mec va casser le truc. Waouh le mec est trop chaud, il y a des idées de dingue quoi, on n'y avait jamais pensé quoi. Mais attends Mary, mais mec, tu vas dormir ou pas pendant The Event? Ah, c'est fou. En vrai, fais gaffe parce que si tu mets trop de trucs pendant, tu vas juste passer un week-end à courir après les trucs à faire, ça va être l'enfer. Mec, la cocaïne, j'ai mec. Mec, la coco, en plein The Event, la coco, à balle. Ça va être monstre. Ok, bah pas de soucis, mec, il va te coûter cher ce week-end, ça va être lourd. Ouais. Mais je suis en train de checker pour ça. Allez, passez bisous, mec. Très bonne soirée, ciao, bisous. La bise. Cocaïnoman, ouais. Dangereux. Coucou Pompon, juste pour te dire coucou. Donc coucou Pompon, coucou Clovis. Monter les niveaux en nocturne sur New World avec Raclure. Pas impossible en vrai.
pas impossible. Non mais encore une fois, moi j'ai pas envie de m'obliger plein de trucs pendant. L'an dernier, il se passait tellement de choses à droite à gauche qu'au final, je passais plus de temps à entre guillemets rien faire, parce qu'en fait, tu fais des trucs un peu partout, mais vite fait quoi. Et je préfère ça que courir après les trucs obligatoires à faire. Vraiment. 100%. 100%. Tiens, t'avais pas dit Rush Level 60 sur New World ? Si, mais j'ai remarqué cette semaine qu'effectivement c'était mort quoi. Non, mais c'est impossible. Ça, c'est impossible. Je pense que Reeve n'a aucune idée de goal. Si, je pense. Quand même. On reste ici. Je vais enlever ça d'ailleurs. Bon, ben voilà. Messieurs, dames, c'est validé. Je pense que j'ai tout. J'ai tout. J'ai rien d'autre à ajouter, hein. C'est mes donation goals. Purement et simplement, c'est mes donation goals de ce The Event. Il y a aucune feinte. Voilà, c'est fait. C'est validax. Le Mont Ventoux, c'est 21 km d'ascension, alors mets 21 000, s'il te plaît. Non, mais essayez pas de négoce. C'est 225 000. Voilà, il faut pas de négoce. Le cosplay. Alors, le cosplay est à définir, mais j'ai envie de vous dire cosplay... Surprise. Surprise, messieurs, dames. Je me démerde. Voilà. OMG, la surprise. Surprise. Voilà. Attends, pardon, c'est une blague. Pas beaucoup de prise de risque, Ponce. C'est une blague ? Attends. Quoi ? Nice troll, bro. Nice troll, bro. 1-0. Bref, ce sont les donation goals pour ce The Event 2021. Avec peu de choses à faire sur place, c'est voulu. Comme ça, sur place, je fais ce que je veux quand je veux, rien à foutre. Quoique, je peux déjà vous dire qu'il y aura certaines choses, notamment un petit Fortnite, évidemment, avec Antoine et toi, les Rivenzy, ça c'est sûr. Il y aura d'autres petites choses comme ça. Mais voilà, il y aura aussi du Mario Party, c'est une certitude, le vendredi soir. Oui, Riv ? Oui, mec, prends pas de risque, c'est chaud. En plus, il y a un mec qui dit il a pas tort, mais Osef. Mais je crois que. Non, mais je. Mais c'était des trucs. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mec. On a tous vu. Mec, t'es top 10 streamer français. Top 12. À un moment donné. Top 12, pardon. Top 12. Mec, prends des risques. 12. Enfin, genre quoi pas, genre quoi. Bah, sauter en parachute. J'achète une villa. Voilà. J'achète une villa. Non, mais je sais pas, mec. Mais fais-nous rêver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mec, c'est le The Event. À un moment donné, c'est. Voilà, il y a des. Il y a des mecs qui font le Mont Ventoux, s'il te plaît, rajoute une couche, quoi. Mais j'ai mis Mont Ventoux, connard. Fais plus. Mais il y fais est. Plus que les autres. Mais fais plus, fais autre chose. Bon bah pour 250 000. Le Mont Blanc, et ben j'escalade le Mont Blanc, mais fais plus. Everest. Voilà. 275 000. Je sais très bien ce que c'est. On y va tous aux The Event. Je bats le record du monde de plats de pâtes mangés le plus vite. Voilà. J'ajoute un 280 000. Voilà. Je là tu vois, je détruis un immeuble en live. Vas-y, Mike. 290K. Voilà. Vas-y, non, mais je découvre un nouveau continent. Mais c'est bon, mec, c'est bon. Je prends des risques, mec, j'en ai rien à foutre. Je découvre un nouveau continent avec Rive. avec Rive. Voilà. Non, mais voilà, d'accord, voilà. Non, mais y a pas de souci. Voilà. J'ouvre une société faisant. Concurrence à Total. Vas-y, mais voilà. De fleurs là. 325 000. Voilà. Je ouverture d'une chaîne de télé. Vas-y, moi. Concurrence demain, okay. À TF1, mec. 400 000. J'en ai rien à foutre. 400 000. Vas-y, dis-moi 400 000, mec. 400 000. Vas-y, rajoute. Vas-y. Je me fais la teub de Manu. Vas-y, non mais dis-moi. Manu Ferrara. Voilà, parfait. 450K. 450K, je remets mon ancienne tub. 500 000, je suis deg. Et voilà, ça c'est des risques. Voilà. Alors, tu fais kiffer. 600 000, je me fais refaire les seins, mec. Tout ça en nocturne aux The Event. Tout ça. Le chirurgien qui va venir à 1h du matin, ça va être monstrueux. Je me fais refaire les seins, mec, pour 600 000. Ouais. Quoi ? Okay. Non, bien sûr. D'ailleurs, tu finis le live, là ? Ouais, j'avais pas tardé, pourquoi ? Parce que j'allais à la salle, après. Ah, je suis trop chaud, mec. Je comptais y aller. Le truc, c'est que, du coup, on a pas tout à fait les mêmes exercices, je pense, mais juste, on se check à la salle, quoi, et voilà.
Excuse-moi, enfin, tu veux qu'on y aille ensemble ou tu y vas avant puis j'y vais plus tard, tu me dis? Non, mais tu me dis parce non, que si. On y va et on. Non, non, on peut y aller ensemble. Ah, si, non, mais vu qu'on fait pas la même chose en soi, je peux attendre que t'aies terminé pour aller pour te rejoindre. Mais c'est pas ça, mais c'est juste que. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est... je sais que t'aimes bien intérioriser. Tu me dis. Ton exercice. Non, non, mais si, vas-y, viens. Intérioriser ton exercice. 750 000, je détruis ma stu dans un octogone. Je détruis ma stu dans un octogone sans règles. Sans règles. Octogone sans règles. C'est 800. Je pulvérise Monsieur Gann en pur 1v1. En pur 1v1. Uniquement avec un doigt. Uniquement avec un doigt. Un doigt, ouais. Voilà. Et je pense que là, t'es dans tes standards. Tu fais partie du top 12 français. Maintenant, il faut avoir des donation goals à la hauteur de ton énorme ambition, quoi. Bah, c'est bon, mec. Bah, voilà. Non, non, parce que, Auré. Ouais. T'as accès à penser, ces choses-là, les donation goals du The Event. C'est vrai. Tu les as tous fait, de toute façon, des donation goals du The Event de l'année dernière. Tu peux bien en rajouter de nouveau cette année. Le truc, il fait trop mal. Voilà. Je déménage sur Mars. Mais oui, putain, je déménage sur... J'ai pas mis ça, mec. Petit déménagement sur Mars. Ah, mec, tu devrais. Complètement. Mais t'as top. Regarde, parce que regarde, là, t'as les donation goals de l'année dernière. Cosplay Waluigi, ça t'a fait. Petite Fortnite en squad, ça t'a fait. Création de jingle radio, bah, ça c'est fait. Non, ouais, mais il y en a pas mal dans les... Pompon déguisé en fleurs, ça c'est fait. Live pétanque entre streamers. Tu sais que c'est Azap. Ouais, ça c'est fait. Non, c'est pas fait. Avec Antoine à l'instru. Okay. Ça, j'ai oublié, mec. Tatouage fleur, ça c'est en cours. Le week-end. C'est quoi ça prend ce week-end? Bah, c'est en gros, il faudra que. En gros, le temps d'un week-end où il y aura une activité, bah, je serai en live plus ou moins tout le week-end. Enfin, tu vois, la journée est tranquille, un peu comme on a pu faire avec le Tour de France du jeu vidéo, mais sur un truc le temps d'un week-end, quoi. C'est juste que, bah, tu sais, il y a eu, je sais pas si tu connais le Covid, et du coup, il y a eu peu de week-ends, quoi, kiffant, j'avoue. Oh, t'avais pas trop fait d'efforts l'année dernière, mais bon. C'est bien que t'aies rajouté des trucs cette année, quoi. 150 000, organisation de Mario Kart Cup IRL. Ouais. 250 000, le Tour de France des jeux vidéo, ça on n'avait pas atteint du coup. Ouais. Mais ouais, t'as... en vrai, je partais pour te troller, t'en as quand même fait pas mal. Bah ouais, et puis certains sur lesquels on avance bien et tout. Là, le tatouage, faut savoir que je me fais tatouer pareil, normalement, enfin, en fait, c'était soit aujourd'hui, mais pas en live, soit après le The Event, mais en live, je préfère le faire en live, voilà, pour le tatouage. Genre ouais, le tatouage, j'ai fait, enfin, il y a tout, hein, il y a tout. On a parlé effectivement off oui. La dernière fois. Oui, ouais. Tout est ready, quoi. Mais, et pour la cover de jaune, merde, avec Antoine à l'instru, tu sais que j'avais oublié, littéralement. Et putain, tu sais que moi aussi, ce donation goal m'était sorti de la tête. Parce que souvent, bah, t'es donation goal, je me redis des trucs en mode est-ce qu'il l'a fait ou pas. Et j'avoue que ce truc m'était complètement. Casse les couilles. Quoi ? Non, mais c'est... Non, je te jure que c'est vrai. Ah oui ? Ok. Non, mais parce qu'on reparle souvent des donation goals que t'as pas fait aux The Event, etc. Ah oui, genre, c'est un sujet qui revient souvent ouais, chez toi, oui. Non, ça, je te genre, souvent, t'es en mode ouais, t'as vu Ponce, il a toujours on pas fait pas ça. L'américain, on en parle de temps en temps, le gars. T'es... Oh, ouais, le gars. Oh, on a parlé quand même 2-3 fois du donation goal de la pétanque et de la Mario Kart Cup IRL. Oui, oui, en vrai, oui, et, non, mais de ouf. Hein, c'est... Du coup, on n'est pas revenu sur effectivement ce truc de Antoine, c'est ça que je veux dire. Mm. Ouais, non, mais même Antoine, je pense qu'il a zappé complètement. Hein. Tout le monde a zappé, je pense. Hein. On est beaucoup à avoir zappé l'info. Ouais. C'est complètement zapsoup. Ok, top. En vrai. Juste pour ça, oui. Ouais, non, j'hésite à enlever quand même le je suis deg sur le je me remets mon ancienne tub. Ouais, ton ancien tub. Parce qu'en vrai, c'est vraiment cool de retrouver ce tout petit zizi. Ce micro-pen. Ce micro. Je pense vrai, que. Enfin, on le kiffe ce micro-pen. Bah ouais. Bien sûr. Petit zizi. Le petit ziz. Le petit zizi qui va les pousser fort à la salle juste après. Bon allez, d'ailleurs, il va falloir y aller parce qu'il est 20h déjà, putain. Il ferme à 23h la salle. Oui, je sais, mais il faudrait que je... Mec, j'ai une petite banane quand même, une petite cola. Tu veux une petite cola avant de partir à la salle, tu vois. J'ai des petites galettes au miel, si tu veux. Ah oui, ultra protéinées, je sais pas quoi, là. En vrai, ouais, prends-les, mec. Ah ouais. Genre, on se fait une petite bouffe et tout. Mec, j'ai du fromage pour faire une raclette, si tu veux. Non, putain, non, on prend juste ces petits trucs pour avoir une petite collation avant la salle. Ah, ok. On a pas de fromage pour la raclette. Oh non. Bah non, mais Juliette qui répond sérieusement, non mais on s'en bat les couilles. On pourra pas faire de raclette à la salle de sport. Attends, y a pas de fromage. Oh non. On pourra pas faire raclette à la salle de sport. Bon, bah dans ce cas-là c'est mort. Je sais pas si on se voit ce soir, je te tiens au jeu. Ramène les galettes de miel. En vrai par contre, ramène les galettes de miel, je déconne pas du tout. Est-ce que s'il y a des gens Kevin sales dans le chat, est-ce que c'est worse comme pré-workout une petite raclette ou pas?
En mode, ça, tu fais rentrer bien du. Tu sais, tu fais rentrer des trucs dans ton corps, c'est ton carburant, et tu déglingues à la salle, quoi. Derrière. 100% value. En vrai, c'est même conseillé, hein, je crois. De fou. Putain, en vrai, il y a match de coach de sport dans ton live, c'est fou. Ah, mais de toute façon, ma mec, c'est une commu juste de coach de sport. De manière. Enfin, il y a quelques personnes qui sont dev ou quoi, tu vois, mais c'est une commu full coach de sport, mec. C'est cool. En vrai, elle est vraiment belle, cette communauté. C'est ouais. Coach de sport et dev. Ouais, c'est ça. Il y a deux types de profils ici, clairement. Ok. Ouais. Bah, top. Super. Bon, bah, merci, Rip. Bah, vas-y, à toutes. Tu me dis quand tu pars, je te dis quand je pars. Ah, là, j'y vais, là. Bah, attends-moi. Bah, tu me dis quand t'es prêt. Non. Ce qui est pratique avec notre travail, c'est que je vois quand tu termines de travailler, tu vois. Donc, à peu près, quand t'as terminé, je me dirige vers la salle, quoi. Bah, c'est top. Quand je fais ça comme ça, je t'envoie comme un petit message, je te tiens au huche là-dessus. Je te fais une grosse biche. Bisous mon rêve. Ciao ciao. Salut. Ciao ciao. Salut. Voilà. Ça va les pousser fort. D'ailleurs, en ce moment à la salle, pour en revenir au Mont Ventoux, en ce moment à la salle, je fais du vélo. Je fais du vélo et j'essaie de monter en kilomètres. Je sais pas combien je vais faire ce soir parce qu'en fait, c'est long, ça le truc. C'est assez kiffant. Fais du vélo à la salle. J'en fais déjà. Depuis quelques temps, je fais un petit peu de vélo à la salle. Pas beaucoup, mais un peu quoi. C'est one du coup. Mais non. Pourquoi pas faire du vrai vélo ? J'en ai pas. Et voilà quoi. J'avoue. Alors attends, l'Everest, j'enlève quand même. Le plat manger, détruire un immeuble. Attendez, parce que ça, on va pas faire ça. Ah merde, attendez. Merde, j'ai. Ah si, Everest. On garde Everest ou pas ? Attendez, j'ai supprimé un truc sans faire exprès là. Ah, j'ai supprimé la parapente. 350 000 live parapente. Chaud. Ctrl Z. Ouais, mais au bloc-notes, tu peux faire Ctrl Z qu'une seule fois. C'est super bien fait. C'est tout. Hop. Bon, bah voilà. Tu fais combien de kilomètres ? La dernière fois que j'y suis allé, j'ai fait 15 kilomètres de vélo. Je sais pas, là je. Après, ça prend du temps, je sais pas trop. Peut-être me refaire un petit. Un petit 15 km, je serais content aujourd'hui, en vrai, ça me va. On me voit. Je vais voir. Pourquoi ce gap 190, 225, 350 ? Bah, parce qu'il faut bien mettre des trucs et que. Oui, c'est vrai que là, je pourrais mettre ça. Mais en fait, le but, c'est que ce soit quand même des trucs très élevés. Mais ouais, je peux mettre 300, bref, vous avez raison. Ouais. 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 Je suis trop dex, il n'y a pas le Ventoux. Ah bah, va falloir se mobiliser, messieurs, dames. Sur ce, je pense qu'on va se laisser là. Je vais quand même poster sur Twitter mes donation goals pour cette année. Écoutez, j'espère qu'il y a des choses qui vous hype. Pour les personnes qui disent « tu ne te mouilles pas assez », je pense que vous vous rendez absolument pas compte des choses parce que réellement... Je dis pas que je suis en train de proposer des dingueries, mais c'est quand même bon. Voilà. Et j'espère quand même que parmi tout ça, il y a des petites choses à droite à gauche qui vont vous hyper énormément, quoi. Je mets ça, boum. Voilà. Voilà. On va tout donner. On va essayer, ouais. Le truc qui m'a eu le plus, c'est le retour des la-la-la. Ça va être l'angoisse. Hop, regardez ce petit screen magnifique ici. Hop. Et ensuite, que je peux mettre tout simplement sur... fichier. Nouveau. Enregistrer ce truc sans nom. Avancer. Goal 2020. Hop, comme ça je fais un nouveau, je fais ça, hop. Voilà, là j'ai mon truc, c'est très propre, c'est beau et tout, c'est nickel. Boum. Pas de live rap avec le règlement. Non, j'ai enlevé ça. Un peu compliqué. Je savais pas trop ce que j'allais pouvoir amener à ça. J'ai préféré l'enlever, j'avoue. Donation Goals The Event 2021. Voilà. Boum, bim, boum, bam. Un petit tweet et ça repart. On veut la musique avant que tu partes. Ça va être l'enfer. Ouais. Hop, voilà. Début de la Ponce Radio, cosplay surprise, fin de la Ponce Radio, tournoi du dimanche The Event avec Volant, capturer Ponyta Shiny sur Diamant Perle, React Tour de France du jeu vidéo avec Rivultia Manu,
préparer un jeu pour une fin de popcorn en fleurs. Speedrun Breath of the Wild 10% objectif sub 1 heure. Composer musique rock stoner avec clip. Retour de Fab pour un live avec Miguel. Live musique avec public et Tip Stevens. Live IRL botanique avec guest. Mon Ventoux à vélo avec PA. Live parapente, peut-être avec Rive Ultia. Je finis Pokémon Colosseum, ouverture des OnlyFans des fleurs pour de l'associatif. Voilà. Est-ce que le cosplay sera spoil par d'autres cams? Ouais, c'est possible en vrai. Au pire, c'est rigolo, c'est pas grave. Voici donc mes donation goals pour ce The Events 2021. Et voilà. Et voilà. Je crois que c'est envoyé. T'as abandonné le tableau. Pour le moment, j'ai abandonné le tableau, ouais. Si je trouve une solution pour faire gagner ou autre, voilà. Mais ouais, pour le moment, ouais. Objectif, t'envoyer dans les airs en parapente. Ce serait fou, hein. T'as oublié de détruire l'immeuble. J'ai enlevé, ouais. Je croyais que le S, c'était que pour goals, parce que c'est des objectifs de donation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je me trompe très probablement. Ouais. Très probablement, ouais. Ouais. Ouais, pour moi, on est d'accord, il n'y a pas de S en fait. Hein. On est d'accord. Ok. Ok, ok. Bon, bah voilà. C'est juste tweeté en fait. C'est juste tweeté. C'est juste envoyé en fait. Bim. C'est envoyé, monsieur, dame. Sans S. Ouais, c'est sans S. C'est sans S. Ouais, même goal sans S, vu que c'est anglais, peut-être, ouais, j'avoue. Red Antoine, il fait ses donations de goal. Oh ouais! Putain, mais oui, c'est vrai, il devait les faire hier après, mais il les a finalement pas fait. Vous savez quoi? Je vais Red Antoine qui va commencer ses donations de goal. Attends, il a vraiment lancé, là? Je vais voir. On va raid quelqu'un, c'est sûr, n'hésitez pas à rester si jamais. On va raid quelqu'un, je ne sais pas qui. Merci en tout cas! Merci beaucoup, c'est une bonne chose de faite. Voilà, je vous avais dit qu'on allait, gérer ça en un petit live du samedi. Bon, au final, ça fait 4h30 qu'on est là, mais... Bah, c'était kiffant! On est arrivé à quelque chose d'assez cool, je suis vraiment content, j'ai hâte de ce The Event. Encore une fois, moi je me mets pas trop la pression non plus, mon but c'est surtout être calé avec les potes et jouer à des jeux avec les collègues et voilà quoi, passer un bon moment, j'avoue que c'est surtout ça. Dans l'idée, j'ai pas envie de me mettre trop la pression, j'ai pas envie d'avoir des milliards de trucs à faire déjà sur place de prévu, on va les faire petit à petit quoi, de toute façon il va se passer des choses. Quoi qu'il arrive, merci beaucoup d'avoir suivi ce live aujourd'hui, merci pour les idées aussi parce que bah, en fait c'est surtout ça qui a aidé, c'est que vous m'avez aidé. Un petit kiff là-dessus, mes cheveux, une dernière fois, voilà, tranquillement. La petite brosse ici, la petite brosse à merde. Je vous propose ça ici. C'est cadeau, hein. C'est moi qui offre, c'est vraiment bonus. Demain, rendez-vous à 13h pour l'échauffement sur Mario Kart. 15h pour le début du tournoi. À savoir aussi que demain, à 13h, il y aura une nouveauté en édition limitée sur la boutique. En rapport avec un... Voilà, vous verrez. Mais rendez-vous 13h sur la boutique pour la nouveauté. De toute façon, moi, je serai en live pour en parler aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie pour les idées. Je vous remercie pour le soutien. Je vous remercie pour le bonheur. Je vous fais des gros bisous. Restez là si vous voulez qu'on raide quelqu'un. Je vais aller raide quelqu'un, je ne sais pas qui. Mais gros bisous. À demain. Et sinon, à très vite. Ciao, ciao. Salut.